Bienvenue sur channel Bladi Info Sport. Une façon pour capable connaître tout ça qui a dominé actualité football. Ou même qui a peine rejoint nous sur channel Bladi, n'a invité ou abonner ensemble avec channel ça, peser petite cloche notification. Une façon pour pas jamais rater une vidéo. Real Madrid qui a joué face à l'équipe Rayo Vallecano dans cadre 12e journée Liga e-sport là. Faut nous dit c'est un Real Madrid qui pourra jouer avec en pile pression parce que gen Girona lui-même qui bat et FC Barcelone qui bat qui passe en 3e position et Girona li gen tête classement Liga provisoirement avant match Real Madrid là. Dans l'occasion ça gen entraîneur italien Carlo Ancelotti monsieur lui-même qui était exprimé en conférence de presse à la veille match football contre équipe Rayo Vallecano. Bien avant que nous allons voir déclaration Carlo Ancelotti, et nous allons voir tout, Real Madrid qui sorti un communiqué sur Kylian Mbappé, fanatique football. Nous allons être contents pour nous de communiquer ça, Real Madrid li sorti sur Kylian Mbappé. Nous allons démarrer avec la déclaration Carlo Ancelotti. Vous voyez, monsieur, dans qui mesure, il pourra jouer match et football ça, non, Santiago Bernabéu. Monsieur dit, pour le moment, on a tout gagné à la maison. Ça va vraiment aider nous, toujours. C'est la caille nous, et nous capables de faire un bon match pour nous et vraiment kembe place leader dans le championnat espagnol. Je vois de monsieur, comment Ada Goulet y est? Ancelotti répond, il dit, Ada Goulet en forme. Il commence à entraîner avec l'équipe là semaine ça. Monsieur manque évidemment rythme. Il prend le groupe là demain et l'a joué petit à petit. C'est comme ça Carlo Ancelotti, monsieur lui-même t'a pas parlé de Ada Goulet. Santiago Bernabéu, est-ce que c'est Kamavinga qui a comme pivot parce que pas gain présence Santiago Bernabéu. Monsieur dit oui, c'est une option. Nous jouer aussi parfois avec un double pivot. Je dis, Kamavinga, c'est joueur qui plus rapproché des caractéristiques et Tchouameni. Je demande à monsieur qui bon la mette Ada Goulet jouer. Ancelotti répond, il dit, Ada Goulet, c'est un joueur offensif, il est capable de jouer comme meneur de jeu, avant centre, ou bien ailier droit. Il est capable de jouer aussi comme intérieur. Je demande à Carlo, est-ce que a gagné rotation? Monsieur dit, oui, a gagné rotation. Mais match à demain, c'est lui-même qui prend la priorité. Nous allons affronter une équipe très solide et qui est très bien organisée. Priorité 1, c'est gagner face à l'équipe Rayo Vallecano. Et après, nous allons regarder qui ça va passer. C'est le moment pour nous frapper très fort avec les 3 matchs Liga et Ligue des Champions. Je dis, monsieur, est-ce que le poil mettait 11 et titulaire pour le faire une différence là? Monsieur dit, c'est pour vraiment une liga compétitive, Anissa. Nous pour le bataille jusqu'au bout. Gain Barcelone, Atlético de Madrid, y a plat. Et n'a pas gardé toute équipe Girona qui vraiment monté. Moi, je connais que liga, li pour jouer jusqu'à la fin. Ancelotti, pour le parler de Rodrigo, et Vinicius Junior. Monsieur dit, deux joueurs ça yo, Rodrigo et Vinicius Junior, yo pral marquer en pile goal pendant saison. Monsieur dit, yo pral marquer plus goal que Jude Bellingham et Rossellou. Monsieur dit, m'pa gen aucun doute. Ça qui est important pour moi, c'est que Jude Bellingham et Rossellou, m'vle yo là. Lorsque Vinicius et Rodrigo, yo même yo pas répondre. Nous pas pressés dans ce sens ça. Yo di Ancelotti, Jude Bellingham recevra un pile éloge. Qui ça le droit améliorer? Est-ce qu'elle gagne des faux? Monsieur Bonny dit, pour le moment, Bellingham pas gagne des faux. Pas gagne rien pour l'améliorer. Mais il doit garder même continuité. Je dis, ça qui fait une différence là, avec et très grand yo. C'est ça. Continuité en Mathieu, monsieur lui-même, li gagne pour le moment. Je pose la question sous Sebaos et Fernand Mendy. Monsieur dit, eh bien,
Ceballos a pris pour travail semaine prochaine. Mendy n'est pas blessé. C'est seulement une surcharge. Et je pense qu'il est disponible pour match et contre et Braga. Mendy, c'est latéral et gauche titulaire. Et Kamavinga est capable de porter soutien dans poste ça aussi. Je vais poser la question sur Henrique qui va capable rejoindre Real Madrid l'été prochain en 2024. Monsieur dit nous avons suivi ça qu'il a fait. Il joue très bien. Il a un avenir et une projection. Il progresse très rapide. Coach italien pour répondre à une question sur Fran Garcia. Monsieur dit Fran Garcia est très bon. Le fait que il joue ou bien il va jouer, ça dépend de la concurrence qui gagne ici. Monsieur dit Fran Garcia, il gagne des minutes avec Mendy. Monsieur dit ce type de latéral ça yo que moi mets en pile et il pas changé attitude li. Moi mets en pile attitude li, il très positif. Je demande monsieur est-ce que li a suivre finale Libertadores là? Est-ce que la porté soutien avec Marcelo? Monsieur dit voyager jusqu'au Brésil pour match. Monsieur dit non et il te profiter. Il dit mais m'a regardé match là avec Mayo Fluminense surtout pour Marcelo. M'pa gen rien contre Boca Junior mais ici nous toutes nous c'est fanatiques et Marcelo et moi espérer qu'il va remporter un autre titre. Et mes fanatiques nous connaissons Marcelo qui remporte avec Fluminense. Et puis monsieur parle bonne question sur Vinicius Junior sous dernier épisode raciste. Monsieur Raponi dit Vinicius Junior dit très bien. Je pense que malheureusement monsieur vient habitué avec ça mais il concentré sur match et sur travail. M'pa gen rien pour me dire sur lui dans sens ça. Voilà, c'est déclaration Carlo Ancelotti avant match football là. Melis joue Carlo convoqué. Comme gardien de but Kepa Arrizabalaga, Luni Pinheiro, comme défenseur Daniel Carvajal, David Alaba, Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Antonio Rudiger, Fran Garcia. Comme milieu de terrain Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Arda Güler, Nico Paz. Comme attaquant Vinicius Junior, Rodrigo, Rossellou, Brahim Dias. Joueur qui a absent pour blessure, Thibaut Courtois, Eden Militaro, Fernand Mendy, Ceballos, Aurélien Tchouaméni. Et bien, faut nous souligner grand retour de Arda Güler, jeune pépite et cyclan, monsieur lui-même qui fait retour avec les clubs et capital espagnol fanatique. C'est Lis, joueur ça qui convoqué. Samedi 4 novembre 2023, dans l'après-midi, Real Madrid a publié un communiqué sur site officiel. Et bien, communiqué ça, li concerné Kylian Mbappé. Nous connaissons feuilleton sa fanatique football jusqu'à présent qui a pas et continué. Et nous connaissons Mbappé jusqu'à présent, monsieur Poco prolongé contrat avec Paris Saint-Germain. Si bagarre arrêté comme ça, c'est un été qui pourrait vraiment agiter. Parce que monsieur pas prolongé et non abside très fort. Non, Real Madrid gagne non Liverpool qui cité. Vous comprenez, ça veut dire que si bagarre arrêté comme ça, eh bien ça va le faire en pile tollé. Eh bien la presse espagnole annonçait déjà tankou El Chiringuito, plusieurs journalistes tankou Joseph Pedrerol qui toujours présent sous plateau annonçait Real Madrid a recruté Mbappé. Journal même aller plus loin pour le dire Florentino Pérez gain intention pour recruter Mbappé ensemble avec Erling Haaland. La presse espagnole même dévoilé numéro toujours El Chiringuito que Real Madrid a bail Mbappé saison prochaine qui c'est numéro 10 là. Toujours même journal ça avec El Chiringuito monsieur dévoilé qui quantité l'argent Pérez pour payer Mbappé qui c'est 35 millions d'euros. Et bien, face avec Rimesayo, Real Madrid a décidé sortir dans le silence pour démentir tout ça qui a dit à travers un communiqué. Mais comment communiquer à partir? Naplil, il dit comme ça. Face avec information récemment qui publiée par différents médias,
côté que au fait qu'on est Real Madrid en négociation très avancée avec Kylian Mbappé. Real Madrid voulait déclarer que information ça yo pas gagné aucune part de vérité là-dedans yo, pas gagné aucune négociation avec un joueur qui appartient avec Paris Saint-Germain. Voilà, c'est comme ça. Real Madrid t'es écrit dans communiqué. Eh bien oui, Real Madrid réagit à travers différents articles qui publient dernier sous ça yo en France comme en Espagne, journal Marca, El Chiringuito. Et bien fanatique football Real Madrid qui démentit tout ça qui a parlé dans la presse concernant lui-même et champion du monde 2018 là.